Allez, salut, 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 voilà. J'espère que vous me reconnaissez. C'est toujours moi. C'est Desam Hospital sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous priver un peu des mathématiques. On va pas parler des mathématiques, on va pas parler d'autres choses. Mais je vais vous indiquer comment est-ce que vous pouvez, par exemple, lutter contre le froid ici en Russie. Je dirais pas à 100%, mais cette vidéo. Comment lutter à 80% contre le froid ici en Russie? J'ai dit le froid, je n'ai pas dit harmattan. Donc il faudrait que vous sachiez comment ça se passe. Ce n'est pas l'harmattan, c'est le froid. C'est vraiment la fraîcheur. Imaginez-vous peut-être comme ça votre réfrigérateur dans lequel vous mettez votre viande, votre poisson et tout quand vous revenez, vous voyez comment ça se passe. C'est ça la Russie. Voilà, la Russie c'est comme un réfrigérateur. Donc, par mes plus d'expérience, il sait ce que j'ai vécu. Donc, par mes plus d'expérience, j'aimerais vous étaler sur la chaîne du Russe 225 pour que vous puissiez vous apprêter avant de venir. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a des boursiers et des non-boursiers. Voilà, donc cette partie, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, vous devez, par exemple, pour le haut, parce que ici, le froid ici, c'est comme des flèches, vous comprenez un peu. Voilà, donc c'est une manière de vous dire quoi? Trouver ce type de vêtements, mais de façon très épaisse, de façon très très lourde. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne les imperméables, bon, je ne dirais pas imperméables, ici on les appelle des coups de cas. Des coups de cas, c'est des habits très lourds, mais qui se vendent un peu. Vous voyez ici, lorsque on est là-bas, on est chez nous. Il y a des habits qui sont ici, qui transportent vers des continents. Vous comprenez un peu. Donc, pour les vendre. Alors, ces habits, vous pouvez les avoir à des prix très, 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 très bas. Voilà. Donc, vous pouvez les avoir à des prix très bas. Donc, je vous dis, par exemple, de chercher à avoir ces habits là-bas avant de venir. Parce que ici, en temps d'hiver, ces habits-là sont très, très, très chers. Donc, imaginez-vous, par exemple. Vous pouvez venir ici, vous allez trouver ces habits-là, par exemple, à 8 000 roubles ou bien 9 000 roubles. Ce qui fait 80 000 francs CFA. Bon, pour nous les Ivoiriens, la zone franc CFA. Ce qui fait 80 000 francs CFA ou bien 90 000 francs CFA. Vous comprenez un peu. Donc, c'est vraiment très élevé. Alors que, c'est vraiment très élevé, alors que vous pouvez trouver ces habits-là, là-bas, au pays. Vous voyez un peu, non? Là-bas, au pays, en deuxième main. Ce n'est pas nouveau. C'est pas parce que. Les habits que vous allez trouver là-bas nouveaux, ce ne sont pas ces vêtements-là que vous devez transporter. Vous voyez un peu? Donc regardez bien à ma gauche, vous voyez ce vêtement qui est là. C'est ce vêtement que je suis en train de vous parler. Ce vêtement, vous allez l'avoir. Bon, je vais donner des emplacements. Mais comme moi je suis ivoirien, voilà, comme moi je suis ivoirien, je sais comment où l'avoir. Pour l'avoir, vous avez, bon, pour les Ivoiriens, je parle directement aux Ivoiriens. Vous allez à Adjamé. Voilà, vous allez à Adjamé. Il y a une place, la place municipale à Adjamé, la place municipale à Adjamé, la place colorée façon. Voilà. Donc là-bas, à partir de là-bas, vous allez au rond-point, au rond-point d'Adjamé. Là-bas, vous pouvez avoir ce type de vêtements. Et très moins cher. Ça va par exemple de 2 000 jusqu'à 5 000 francs. Vous comprenez un peu, de 2 000 à 5 000 francs, vous pouvez l'acheter là-bas et venir. Au lieu de venir ici et acheter ces vêtements à 80 000 francs et ça, vous comprenez un peu. Donc, vous pouvez éviter ces dépenses-là et puis venir parce que arriver ici, vous devez manger, tout ça. C'est vrai qu'ici, je dirais que c'est vrai qu'ici, les frais de nourriture, c'est pas trop élevé. C'est pas trop élevé, mais pour éviter plus de dépenses, vous pouvez de là-bas. Vous munir de vos vêtements, de vous apprêter et venir. Vous savez, pour venir, comment on appelle ça? Il y a pour venir ici, vous avez pour les étudiants, vous avez deux sacs de 23 et puis un sac de 10. Voilà, donc le petit sac de 23, vous prenez, vous chargez cela, vous chargez le sac de 23, vous allez me dire, non, tu avais raison, tu avais raison, tu avais raison. Vous chargez le petit sac de 23 avec vos vêtements, des vêtements très lourds. Voilà, les t-shirts qu'on fait là-bas à cause du soleil là, les t-shirts là. Quand vous allez venir, les t-shirts là, vous allez oublier.
Vous comprenez un peu? C'est des vêtements comme ça que vous allez porter à chaque instant. Même quand il va commencer à faire chaud ici, vous allez penser que il fait toujours froid. Parce que ici, quand il y a le soleil, il y a la fraîcheur. En fait, il y a le soleil, vous voyez le soleil, mais vous sentez, quand vous sortez, vous sentez la fraîcheur, c'est par rapport au vent. Voilà, donc, ce qu'il vous dit, c'est quoi? C'est de vous munir de vos habits, de vos vêtements. Mais parce que, comme je disais, 23-23, vous, les sacs de 23-23 pour les étudiants, vous chargez un sac de 23, de 23, et vous venez. Maintenant, par rapport aux aliments, bon, pour nous qui aimons le foutu là, on a, vous arrivez, il n'y a pas de bananes. Ici, ce n'est que les bananes, qu'on appelle ça les bananes douces, ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter de manger. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des nourritures ici qui sont bien faites. Donc, vous allez vous régaler. Donc, revenons au froid. Alors, vous avez déjà vu la photo que je vous ai montrée. Voilà. C'est par rapport à cette photo-là que vous devez payer. Vous devez payer ces vêtements pour mieux survivre ici. Voilà. Maintenant, en face de cela, il y a. Bon, je sais que vous allez trouver ça un peu incohérent parce que moi-même, j'ai lutté par rapport à ça une, deux fois jusqu'à ce que moi-même je l'accepte parce que sans ça, je ne pouvais pas vivre ici. Vous comprenez un peu? Voilà. Ce que je peux vous dire, vous devez aussi chercher à payer votre colon. Quand je dis colon, c'est colon. Ne. Et tout ce que vous devez acheter doit être bien lourd. Les collants. Voilà. Maintenant, pour savoir pourquoi les collants, parce que quand vous ne portez pas de collants, la fraîcheur s'insère dans les articulations de vos os. Vous comprenez, par rapport aux pieds. Voilà. Donc, par rapport, quand vous prenez les collants, si vous voulez acheter des collants qui font comme des chaussettes, vous pouvez fermer. Voilà. Prenez des collants, parce que chaque jour, ces collants, vous pouvez avoir au moins trois collants. Vous allez toujours porter ce collant. Toujours porter ce collant. Voilà, n'oubliez pas. Les collants sont très, 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 très importants. N'oubliez pas cela. Les collants. Parce que sans collant, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller au cours. Vous ne pouvez rien faire. Ici, à l'hiver, c'est ça. J'ai refusé. Vous allez dire que pour un garçon, parce que quand il a demandé, quand il a dit, on me dit, ah, ça, c'est garçon, tu portes collant, tu portes collant. Tu es un garçon, tu portes collant. Je porte des collants. C'est moi, je vous dis. J'ai refusé plusieurs fois, mais au finish, j'ai accepté. Parce que tu ne peux pas sortir sans collant. Tu seras obligé de porter des collants avant de mettre le jean. Donc, cherchez. Je ne dis pas des collants qui arrivent à la cuisse, non. Des collants qui vont jusqu'aux pieds. Si vous avez même l'opportunité d'avoir des collants avec, en même temps, sous forme de chaussettes, achetez-les et venez avec. Donc, n'oubliez pas. Maintenant, en ce qui concerne les chaussures, pour les chaussures, ce n'est pas nécessaire de l'acheter là-bas. Parce qu'ils ont des chaussures adaptées ici. C'est un peu cher. Quand vous allez arriver, ce sera forcément l'hiver. Et quand c'est l'hiver, tout ce qui dépend de l'hiver sera à un prix très 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 haut. Donc, ça au moins, n'achetez pas les chaussures là-bas. Arrivez ici, vous allez acheter des chaussures adaptées. Parce que les chaussures adaptées, c'est quoi? Ce n'est pas une chaussure qui te protège seulement du froid. Non. C'est une chaussure qui va te protéger des glissements. Vous comprenez un peu? Des glissements parce qu'il y a les quand l'hiver est là, toute la plateforme est comment? Est glissante, très très glissante. Voilà, donc si vous n'avez pas ça pour venir au cours, vous allez au moins faire, vous allez comme chez nous on le dit, vous allez fata, vous allez au moins faire des, vous allez tomber au moins 4 fois ou bien 5 fois avant d'arriver ici, avant d'arriver au cours. Donc ce que je vous dis, c'est de faire quoi? C'est de venir pour les chaussures, c'est très important de l'acheter ici parce que quand vous l'achetez ici. Vous-même, vous allez voir et eux-mêmes, ils vont vous conseiller la chaussure appropriée. Comme ça, vous allez prendre cette chaussure-là et vous n'allez pas tomber. Voilà. Donc, je vous dis cela. Alors, n'oubliez pas, pour les Ivoiriens, ça sera à Adjamé. Allez-y à Adjamé, après le pont. Il y a une partie, comment on appelle ça? Il y a en face. La partie que l'emplacement, je vous montre pour comment on appelle ça, pour l'achat du blouson, c'est juste derrière la place municipale d'Adjamé. Vous comprenez un peu? C'est avec une clôture, une clôture. Bon, je vais mettre la photo, vous allez voir. Une clôture bien colorée. Donc, derrière, juste derrière, vous allez voir, il y a une grande place où ces gens-là vendent des habits.
Vous comprenez un peu. Donc allez-y là-bas et vous allez vous en procurer, vous allez vous en procurer ces habits pour que vous soyez plus à l'aise ici et vous allez dépenser moins. Voilà. Donc sincèrement, n'oubliez pas cela parce que ça va vous arranger et ça va vous aider à moins dépenser. Parce que ici, ça sera très très cher, très 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 cher. Voilà. Donc de cela, vraiment, je vous dis merci et à bientôt. Voilà, et soyez la bienvenue ici en Russie. Merci.